Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur les antennes du groupe Label Média, antenne composée par Label Radio, par Sounou Label, la chaîne de télévision au cœur du Sénégal, et par Label Télévision, la chaîne panafricaine internationale. Merci beaucoup à vous d'être en notre compagnie. Nous sommes bien sur la tribune du mardi qui nous permet d'aborder les questions parmi les plus brûlantes de l'actualité. Aujourd'hui, nous avons décidé de parler de la transition en République de Guinée. Cette transition, paraît-il, avait suscité un certain nombre d'espoirs et il semble qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce qu'il en est exactement? Eh bien, nous avons décidé d'en parler dans Tribune du mardi. La transition militaire en Guinée, espoir, désillusion, tel est le thème de notre émission aujourd'hui et nous sommes accompagnés pour débattre de cette actualité de notre confrère. Bonsoir, Abdoukarim Diarraté. Il est journaliste, il est également le directeur de publication du magazine Le Panafricain et il est membre de l'UJPLA, entendez, l'Union des journalistes de la presse libre africaine. Bonsoir, chers confrères. Bonsoir, Georges. Comment ça va? Ça va très bien. Merci beaucoup de nous faire l'amitié d'être avec nous. Je crois que vous connaissez bien la Guinée. Mm-hmm. Vous êtes allé plusieurs fois, vous connaissez un peu l'atmosphère de ce pays en ce moment. Parfaitement. C'est vrai que la Guinée, c'est un pays que je fréquente assez souvent. Mmh. C'est vrai que je suis de près l'actualité politique de ce pays depuis peut-être une bonne dizaine d'années. Et c'est un pays quand même sur lequel le continent africain devrait pouvoir compter. Ok. On va voir. Pour le moment, on peut le dire, mais ce n'est pas encore le cas. La Guinée fait partie des pays les plus en difficulté au monde. Et ça, pourtant, tout le monde sait que ce pays est truffé de richesses naturelles. Autre membre de ce panel, c'est notre confrère Assé Alafé, qui est journaliste également et qui est le directeur général du quotidien L'Intelligent d'Abidjan, un quotidien qui a fêté il n'y a pas longtemps son 5000e numéro et qui va célébrer l'année prochaine, si je ne me trompe pas, son 20e anniversaire. Bonsoir Assé Alafé, vous allez intervenir à partir d'Abidjan. Merci à vous. Merci de nous associer à ce débat. C'est avec plaisir. Bonsoir à toute l'équipe de Label TV et Sounou Label. OK. Alors, 5000 numéros, ça n'a pas été facile tout de même, hein, l'Intelligent d'Abidjan. Non, pas du tout. Ça n'a pas été facile et ce n'est pas facile. Et nous comptons sur vous pour nous soutenir pour les 20 ans l'an prochain. Et on va se soutenir à cette occasion. Bien sûr, nous voulons organiser à cette occasion la deuxième édition de Abidjan Africa Media Forum et vous serez les bienvenus à cette occasion. Ok, alors on aura le temps de vous retrouver pour développer cela. Aujourd'hui, on va parler de la Guinée. La Guinée est un pays, comme le disait notre autre confrère ici, Abdoukarim Diarraté, est un pays important. Et pourtant, il est en difficulté depuis son accession à l'indépendance. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, le contexte de l'accession à l'indépendance, avec le non en 58 du président Sékou Touré, les difficultés qui ont suivi, l'environnement politique qui n'a pas été apaisé, l'absence de démocratie, et puis le coup d'État à la suite du président Sékou Touré, le régime militaire, la démocratie difficile, la transition difficile, une nouvelle démocratie, une alternance avec Alpha Condé qui finit mal. C'est tout ça, c'est 60 ans et, ou plus de tensions politiques, d'instabilité politique qui n'ont pas permis un développement continu et puis un meilleur sort socio-économique pour le pays.
Oui, la Guinée, donc, dans la tourmente. Nous allons retrouver en Guinée même, à Conakry. Merci beaucoup, Assia Lafé. On va continuer ce débat. Nous prenons la direction de Conakry pour nous retrouver en compagnie de M. Raffiou Sow, qui est un homme politique de la Guinée. Il est le président du Parti pour le Renouveau et le Progrès. Bonsoir, M. Sow. Bonsoir, c'est toujours du renouveau et du progrès. Du Merci. Renouveau et du... Le parti du renouveau et du progrès. Voilà. Ok, je merci beaucoup. Je suis très heureux de prendre part à ce panel. Oui. Et nous remercions de l'attention que vous portez pour notre cher pays, la Guinée. Et voilà. Comme vous l'avez dit, c'est très important au sein dans l'Afrique, et particulièrement dans l'Afrique francophone. Mais comme vous l'avez bien dit, nous traversons les difficultés depuis l'indépendance. C'est dû à beaucoup de choses, oui. Particulièrement disons, à la gestion de la chose publique et le refus de l'alternance par les dirigeants, les différents dirigeants qui sont disons, au niveau du pouvoir. Alors depuis 1958, ce n'est pas facile. Tout à l'heure, Assia Lafé a fait, il a brossé la ligne d'évolution de ce pays de façon rapide, mais c'était quand même assez clair. Alors, quelle est l'atmosphère qui prévaut en ce moment en Guinée, Monsieur Sow? Écoutez, actuellement ici, c'est extrêmement tendu. Et, disons, vous savez, les nouvelles qui circulent ici, on a eu une transition qui était très applaudi, qui était venu avec beaucoup d'espoir. Et aujourd'hui, je pense que, comme vous l'avez résumé, nous tendons vers la discussion, disons comment ça peut se faire, la tension, comment ça peut se faire. Et ça, je vous assure que la situation est très tendue ici entre les autorités et les forces vives de la nation, particulièrement. Alors, on va profiter de votre présence hein, pour connaître quelque peu votre parti, présentez-le-nous en quelques mots, parce que on a essayé d'avoir beaucoup d'autres et je ne sais pas si c'est parce que si c'est à cause du régime militaire, mais beaucoup d'autres confrères et hommes politiques n'ont pas accepté de prendre part à ce débat. Alors parlez-nous rapidement de votre parti politique. Ok. Moi, c'est Raffiou Sow. Je suis à la tête du Parti du Renouveau et du Progrès, le PRP. C'est un parti, et d'abord, au temps de Sylvestre Diallo, vous avez entendu parler du PRP, et depuis dans les années 90. Finalement, un parti qui s'est associé à un autre pour créer l'UPR après. Nous, en tant que jeunes leaders, en 2011, nous sommes venus dans l'arène politique. Alors, nous avons choisi de remettre ce parti sur pied parce qu'il représentait beaucoup de l'histoire politique de la Guinée et de l'Afrique, et particulièrement de la Guinée. Vu le leader qui dirigeait ce parti d'alors, Sylvestre, pour nous, c'est un des bonbons de la politique africaine. Donc, nous avons choisi de remettre ce parti sur pied. Depuis 2011, nous nous battons. Difficilement, on a obtenu un agrément, ça, je vous l'assure. Et le président Alpha Condé nous avait carrément refusé de son gouvernement. On s'est battu, on a fait des menaces de manifestation et tant d'autres. Après plusieurs années, et nous avons pu obtenir cet agrément et dans les alentours de 2015. Et nous nous battons, nous sommes dans l'arène politique, on a notre programme politique. Et actuellement, nous travaillons, nous sommes au sein de l'ANAC, la coalition créée par l'UFDG et une vingtaine d'autres partis. Alors, on va aller rapidement. Quelle est l'idéologie que vous défendez dans votre parti? Écoutez, nous sommes de l'international libéral. Nous défendons cela. Nous réclamons de l'international libéral. Et nous voulons aussi que règne le multipartisme en Guinée, l'ancrage de la démocratie en Guinée. Nous battons cela parce que c'est ça le problème, surtout en Guinée. Et quelle est la position de votre parti sur l'échiquier politique guinéen? C'est un parti important, c'est un parti qui compte, c'est un parti qui monte. Écoutez, c'est un parti qui est très important. Je vous dis, c'est l'un des premiers partis du pays, avec le PG Arc-en-Ciel et le PIP. Et puis, en tant que jeune leader,
beaucoup de jeunes sont avec nous. C'est un parti qui s'implante, qui continue à s'implanter à travers le pays. C'est pas facile. Et ça demande beaucoup de moyens, beaucoup d'activités. Depuis 2011, nous sommes sur le terrain politique. Nous prenons part à toutes les activités ou actualités politiques du pays. Nous battons. Et je pense que, franchement, ce parti aujourd'hui est très connu en Guinée, plus en Afrique, puisque des médias comme vous, à travers l'Afrique et au niveau international, nous appellent, nous intervenons, nous donnons notre avis. Donc, le parti est très vivant en Guinée et en Afrique particulièrement. Bien, alors on va entrer, merci beaucoup Monsieur Sow, on va entrer dans le vif du sujet. On va se rappeler qu'il y a eu un coup d'État en Guinée le 5 septembre 2021. Arrestation du désormais ex-numéro 1 guinéen et suspension de la constitution du pays. C'est la triste nouvelle qui a fait la une de l'actualité en Guinée ce dimanche 5 septembre. Un comité national du rassemblement et du développement dirigé par le chef des forces spéciales, le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya, annonce avoir arrêté Alpha Condé et suspendu la constitution. Mais tout va bien, rassurent les poutistes qui disent que le chef de l'État est avec eux et qu'il se porte bien. Mais hormis quelques images et vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, aucune autre nouvelle officielle d'Alpha Condé. L'homme qui a dirigé la Guinée pendant 11 ans et qui venait d'être réélu pour un troisième mandat controversé a marqué la vie politique guinéenne pendant un demi-siècle, mais est depuis quelques heures le captif de ses poutistes. Alpha Condé reste tout de même indissociable de l'histoire de son pays. Sa carrière n'a pas été de tout repos, mais il semblait promis à un destin meilleur au regard de son engagement, de sa soif de démocratie lorsqu'il défendait encore les valeurs partagées par nombre de ses concitoyens. Son parcours en dents de scie a été jonché de rebondissements entre l'exil, la prison et le pouvoir suprême. La Guinée, c'est 3 coups d'État en 60 ans, de multiples tentatives réelles ou supposées. Et dans ce pays, l'armée n'est jamais restée très loin du pouvoir suprême et a d'ailleurs toujours été l'arbitre ultime des joutes et transitions politiques. Lors du règne du père de l'indépendance Sékou Touré, les tentatives de déstabilisation souvent orchestrées depuis l'étranger ont incité le président à donner une importance croissante aux militaires dans la gestion du pays. À sa mort en 1984, c'est toujours par un coup d'État que se règle la succession. Alors colonel, Lansana Conté renverse Louis Béavogui, président de transition, et met en place un comité militaire de redressement national. Un an plus tard, le colonel Diarra Traoré tente, mais en vain, un coup d'État, ce qui entraîne une purge sanglante au sein des forces armées. En 1996, c'est la mutinerie des soldats. Lansana Conté échappe de peu à la mort, qui finit par le rattraper en 2008. Au lendemain de son décès, Moussa Dadis Camara, un jeune capitaine qui ne payait pas de mine, prend le pouvoir à la tête d'un comité national pour la démocratie et le développement. Avec l'avènement au pouvoir d'Alpha Condé, beaucoup de Guinéens nourrissaient enfin l'espoir de voir la démocratie s'incruster et les transitions devenir moins houleuses. Seulement, c'était sans compter les manipulations constitutionnelles ainsi que cette lutte du pouvoir sans merci qui ont paralysé le jeu politique. Mais il ne faut pas perdre de vue que sans l'exprimer ouvertement, de nombreux acteurs politiques guinéens entrevoyaient déjà un éventuel nouveau coup d'État comme une option inéluctable pour cette sortie de crise. Direction Abidjan, pour retrouver Assez à la Fée. Alors, vous avez entendu la chute de notre document. Le coup d'État du 5 septembre 2021 était-il inéluctable? On peut l'expliquer ainsi, tout comme aujourd'hui déjà, on peut dire un prochain coup d'État est inéluctable. Si on veut, oui, bien sûr, puisque déjà, il y a l'opposition qui n'est pas contente, il y a l'ancien parti au pouvoir qui ne peut pas être content, il y a des raisons de ne pas être content. Ils sont venus par un coup d'État, donc il y a un prochain coup d'État qui est inéluctable pendant que la transition est là. Ben, allons-y, donc, jugeons déjà celui-ci, celui dans lequel on est. Oui, mais il est lié à une situation, il était inéluctable. Mm-hmm. Lui-même aujourd'hui, il crée les conditions d'un autre coup d'État inéluctable, si on veut prendre les choses de cette façon-là. Voilà. Donc, fallait s'attendre à ça. Non, moi, je ne suis pas d'accord. Je fais de l'ironie pour dire qu'on n'avait pas à s'attendre à ça. Il fallait plutôt s'attendre à une prochaine élection et non à un coup d'État qui était un raccourci. C'est un raccourci qui ne peut jamais avoir de bonnes raisons. Sinon, aujourd'hui, les conditions qui faisaient qu'on avait un coup d'État inéluctable le 5 septembre 2021, les mêmes conditions sont là quelques mois après qui rendent à nouveau
un autre coup d'État inéluctable. Si on veut justifier les coups d'État, on ne va jamais s'en sortir parce que aujourd'hui, les conditions qui étaient inéluctables et qui rendaient ce coup d'État acceptable, explicable ou justifiable, les mêmes conditions existent toujours et sont à nouveau réunies pour que dès demain, il y ait un nouveau coup d'État inéluctable. D'accord, c'est bien noté. Direction Conakry, M. Sow, Rafiou, ce coup d'État, hein, c'est la même question, était-il inéluctable? C'était la voie inévitable? Oui, c'était clair. Ce coup d'État était inéluctable. Vous savez, nous nous sommes battus. Je rappelle juste qu'on a été aux élections de 2020, aux élections présidentielles. D'ailleurs, moi, j'étais un des directeurs de campagne de Sélid Alain Diallo. Nous avons clairement gagné les élections, mais Alpha Condé était dans l'optique de confisquer le pouvoir. Vous comprenez? Et puis, les forces de défense et de sécurité, leur mission, c'était de massacrer la population, d'empêcher toute manifestation et la justice de condamner, disons, à tort, et toute voix discordante. Dans ce cas, nous avons alimenté, disons, ce climat en sachant que très bien que ça n'allait pas durer et que ça allait conduire forcément à un coup d'État, puisque soit la population se fatiguait, se révoltait, et la majeure partie de la population, soit l'armée même elle-même en avait marre, et aussi nous avons complètement fait comprendre au niveau international où Alpha Condé avait ses piliers, que Alpha Condé a confisqué son pouvoir et qu'un pays qui véhiculait les valeurs démocratiques ne pouvait, ou un chef d'État, soutenir Alpha Condé dans ces conditions. Ce que vous dites, M. Sow, signifie que quand le coup d'État est arrivé, vous avez applaudi. Nous avons applaudi le départ d'Alpha Condé, c'est pas parce que nous l'avons clairement applaudi, ça on le dit, et on avait beaucoup d'espoir. Après, le premier discours ou communiqué du colonel Poutiste, où nous avions beaucoup d'espoir, et comme l'a dit votre collègue d'Abidjan, Monsieur Assé Alafé, il y avait beaucoup d'espoir. Aujourd'hui, les mêmes conditions sont là pour conduire, pour donner les mêmes effets et causes. Alors question qu'a posée Assé Alafé, n'y avait-il pas une autre façon de procéder que de passer par un coup d'État? Attendre une prochaine élection? Écoutez, nous réclamions à l'époque, avant le 5 septembre, notre victoire aux élections présidentielles de 2020. Nous étions dans ce topic-là. Donc, la majorité de l'opposition s'était ralliée derrière nous et nous continuons ce combat. Et on allait continuer ce combat même si ça prenait 5 ans ou 10 ans. Dans ce cas, l'armée est venue abréger cela. Nous avons clairement applaudi et aujourd'hui, nous sommes en face de l'armée là aussi qui prend le même chemin qu'Alpha Condé en voulant exclure les forces vives et les partis politiques et confisquer le pouvoir. Ça, c'est inadmissible. C'est une chose qu'on ne va pas accepter. Donc, c'est d'encore continuer le combat qu'on menait et jusqu'au bout. Ok, c'est bien compris. Abidjan, notre confrère Assé Alafé a dit qu'on aurait pu utiliser une autre façon de procéder. Vous dites que vous avez applaudi quand ce coup d'État a eu lieu. Quel est votre avis, Abdoulkarim Diakaté? Écoutez, Georges, je comprends parfaitement les inquiétudes exprimées par mon confrère Assé Alafé de l'Intelligent d'Abidjan et M. Rafiou Sow du Parti pour le Renouveau et le Progrès de Guinée. Mais en réalité, je pense que c'est vrai, on en parlait d'espoir avec l'arrivée de la... Donc quand on est démocrate, on n'applaudit pas un coup d'État. Non, en réalité, vous savez, il est extrêmement difficile d'apprécier ça sous le prisme, juste d'une prise de pouvoir par des militaires. C'est vrai qu'un putsch, c'est quelque chose que les gens n'aiment pas tellement voir sous nos cieux. Mais voyez-vous, il y a eu une situation qui a amené cela. J'étais en Guinée en 2009 avec l'avènement du CNDD, le Conseil National pour la démocratie et le développement à l'époque avec Moussa Dadis Camara. Et pratiquement, on a l'impression qu'il s'agit actuellement d'un éternel recommencement. C'est comme si on revenait en arrière. Qu'est-ce qui s'était passé avant? Quand les militaires donc ont pris le pouvoir, les gens avaient beaucoup d'espoir pour qu'il y ait une transition apaisée, rapide. Et les gens avaient tellement appuyé sur l'accélérateur qu'en très peu de temps, ceux qui étaient au pouvoir à l'époque n'avaient pas pu mener à bien cette transition-là. On a vu comment ça s'est terminé. Et je pense que tout réside dans le discours
que le colonel Mamadi Doumbia, donc le chef de la junte, le comité national de redressement et de développement, a prononcé dès sa prise de pouvoir. Il avait parlé d'éviter les erreurs du passé. Je pense que dans ce cadre-là, il faudrait quand même que les acteurs politiques, disons les forces vives d'une manière générale, puissent, avec les militaires, appeler à une paix sociale quelque part et négocier pour que la transition se passe dans les meilleures conditions. Je m'explique, on a parlé de durée de la transition, mais il serait bien de voir de manière consensuelle comment faire en sorte que les erreurs effectivement du passé ne soient pas répétées et aller dans le sens véritablement d'une appropriation par les Guinéens de leur destin. Parce qu'il est évident qu'il y a beaucoup de choses à faire. On a parlé de fichiers électoraux qu'il fallait reprendre. Il y a éventuellement également des lois organiques qu'il faut faire et tout ça. Et cela demande un peu de temps. Même si les militaires ont parlé de faire 3 ans pour mener à bien cette transition et que la CEDEAO réclame une durée un peu plus courte, moi je pense que les forces vives doivent s'associer pour voir ce qui est bon pour la Guinée et ne pas aller quand même vers des lendemains incertains. Alors, je retourne en Guinée, vous retrouvez M. So, Rapio. Dites-nous, est-ce que ce n'est pas un peu naïf que d'avoir applaudi à un coup d'État? On sait que, comme l'a dit tout à l'heure Assia Lafé, un coup d'État, ça peut entraîner un coup d'État. Et vous êtes normalement habitué au fait que quand des militaires s'installent au pouvoir en Guinée, eh bien, ce n'est pas pour s'en aller. Mais écoutez, nous n'avions plus le choix. Vous comprenez? quand un dictateur vient s'installer, il prend en otage l'armée, toute l'armée, les forces de défense et de sécurité, il prend en otage l'appareil judiciaire, nous n'avons plus de recours. La CEDEAO était là, fébrile, et nous crions à corps et âme, appelons à leur aide, nous avons senti qu'ils étaient faibles. On n'avait plus d'autre choix, puisque nous n'avions pas d'armes. On ne pouvait que manifester et on massacrait les gens. Vous imaginez, le lendemain qu'on a annoncé quoi, que c'est nous qui avions gagné les élections, il y a eu 52 morts. 52. Et qu'est-ce qu'on allait faire? On commençait le peuple de Guinée en entièreté, on commençait à perdre l'espoir. Alors, Alpha Condé, on l'a détrôné, et avec le discours du colonel, c'est mais, pas mais vous n'avez pas regardé quelque peu. Monsieur Sow, quelque mais, part, vous n'avez pas regardé un peu dans le rétroviseur pour voir que quand les militaires arrivent, ça ne se passe pas toujours très bien. Nous n'avons pas souhaité l'arrivée des militaires, mais Alpha Condé était devenu de telle sorte que fallait qu'il parte, il arrêtait tout le monde, il nous barricadait chez nous ou bien nous enfermait. Et puis, rien, le pays ne fonctionnait plus. Alors, on n'avait pas d'autre choix. Il a les armes à sa disposition. Qu'est-ce qu'il fallait? Les seuls qui pouvaient intervenir, soit c'est la communauté internationale, soit c'est l'armée. Et nous, et on n'a pas applaudi l'armée, mais on a applaudi le départ d'Alpha Condé. Et ça, nous l'avons dit au colonel Pouchis dès le début, que nous l'avons à l'œil. C'est pas parce qu'il nous a débarrassé d'Alpha Condé qu'il lui est tout permis. Lui aussi, nous voulons l'ancrage de la démocratie. Nous voulons un chef d'État élu à travers les urnes et nous voulons le retour dans le concert des nations. Ça, ça y va de l'avenir de notre nation. C'est bien entendu, M. So. Assia Lafé, est-ce qu'on peut comprendre la liesse dans laquelle s'est retrouvée la Guinée à la suite de ce coup d'État du 5 septembre 2021? Est-ce qu'il y a des raisons de comprendre? J'allais dire d'accepter. C'est le signe de l'impuissance. Bon, les peuples n'ont pas souvent le choix. Ils pensent qu'ils sont libres, mais en fait, ils ne sont pas libres. Alpha Condé avait les armes, la violence. Les militaires arrachent cette violence et ces armes à Alpha Condé. Ils étaient à la solde d'Alpha Condé pour massacrer le peuple de Guinée. Ils se réveillent un matin, ils décident de ne plus servir la cause d'Alpha Condé et ils se servent eux-mêmes et ils utilisent cette arme-là pour s'installer, prendre le pouvoir. Et des gens qui disent qu'ils sont sans armes face à Alpha Condé qui a toutes les armes sont heureux parce que ces militaires-là décident de ne plus servir Alpha Condé, mais de se servir eux-mêmes. Et puis ils sont heureux et puis ils dansent. Bon, vous voulez qu'on fasse quoi? Les peuples ont les destins qu'ils méritent. Nous, peut-être si ça arrive dans nos pays, on n'aura pas le choix, on fera comme eux. Après, des Guinéens nous ont dit non, on est ici, chez nous, ça va.
on assume. Les peuples ont les destins qu'ils méritent, ils ont les chefs qu'ils méritent. Après, on est africain, c'est vrai, on est citoyen du monde, mais après, ils diront, c'est eux qui sont en Guinée, c'est eux qui vivent cela. Peut-être que si on était au Mali, peut-être que si ça arrive en Côte d'Ivoire, peut-être si ça arrive au Sénégal, on fera comme eux. Mais je pense qu'on peut avoir des principes. On peut dire non, on veut qu'Alpha Condé parte à travers une élection claire. Un jour, ça viendra, le peuple s'exprimera. Mais vous, militaires, on n'est pas d'accord. C'est le... Aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, est-ce qu'il fallait donner une prime? Est-ce qu'il fallait donner une bonne foi présumée aux militaires? Ce qui est en train de se passer là était prévisible. On me dit que le coup d'État était prévu. Mais ce qui est en train de se passer aujourd'hui là, c'était prévisible. On n'a pas besoin d'être un devin le 5 septembre 2021 pour comprendre que les militaires, ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, allait se passer. Ils ne sont pas venus pour les beaux yeux de M. Dalain Diallo. Ils ne sont pas venus pour les beaux yeux de Sidi Touré, Sidia Touré, pour leur donner le pouvoir. Ils ne sont pas là pour ça. Pour eux, il y a une vieille classe politique ancienne qu'il faut sortir, la même classe politique. Tantôt, ils ont été premier ministre, tantôt, ils ont été ministres, qui a pillé la Guinée. Donc, ils ne sont pas venus pour remettre le pouvoir à Alpha Condé, à Sidia Touré, à Alassane Kouyaté. Non, ces militaires-là sont dans une vision, une idéologie, et ils vont continuer à massacrer les leaders et le peuple de Guinée après Alpha Condé, qu'ils ont mis autour, qu'ils ont neutralisé. Ils vont neutraliser le reste de la classe politique qui a pillé la Guinée dans leur esprit. Ils sont en train de les mettre tous en prison. Je ne sais pas quand ils vont se réveiller pour sortir de leur grippe, mais c'était là leur vision de coup d'État. Ce n'est pas Alpha Condé seul, et on n'avait pas besoin d'être un devin pour le comprendre. C'est okay. À eux de le comprendre depuis le début. Bien noté, assez à la fin. Je reviens à vous, Karim Diarraté. Les militaires, quand ils sont arrivés, ils ont dissous toutes les institutions et ils ont mis en place un CNT, un Comité National de Transition, qui fait office de parlement, un comité dans lequel on retrouve pratiquement toutes les forces politiques. Absolument. Et déjà, le Comité National de Transition, comme vous dites, a fait exactement ses 100 jours. Ce qu'il faudrait apprécier dans cela, c'est qu'en fait, effectivement, il y a beaucoup d'acteurs politiques, des syndicalistes, des gens de la société civile et autres qui sont dans ce comité-là, des hommes politiques surtout également, et qui peut-être travaillent de concert un peu avec le CNRD pour définir en tout cas ce que doit être cette transition-là. Bon, ce qu'on peut quand même regretter, le fait que certaines formations politiques, parmi les plus importantes, comme le RPG arc-en-ciel du professeur Alpha Condé, l'FDG de Sélou Dalain Diallo ou l'UFR de Sidia Touré, n'aient pas voulu s'associer un peu aux discussions, aux concertations, un peu au dialogue inclusif auquel avait appelé CNRD. Et cela, quand même, va certainement impacter un peu sur, en tout cas, les résultats attendus. Mais toujours est-il que, d'ailleurs, c'est ça qui fait un peu l'intérêt de la question actuellement. On a pu voir cette association, en tout cas, d'intérêt entre l'UFDG et le RPG. Des gens qui avaient du mal à se parler ouais. Et qui se mettent ensemble un peu pour mener ensemble, en fait, cette lutte contre ce qu'ils appellent peut-être, disons, cette coalition de fait, un peu cette coalition pour éventuellement faire face quand même au CNRD. Mais le problème, en fait, pour moi, ce serait bien de voir comment faire en sorte que le peuple guinéen puisse sortir de cette longue nuit, disons, d'incertitude. Parce que le plus important actuellement, c'est de définir les bases de cette transition. J'avais parlé de consensus entre les différents acteurs, mais au moins de s'accorder sur l'essentiel. Parce qu'il ne sert à rien de se radicaliser pour réclamer tout de suite, disons, une transition très courte, avec le risque de voir se répéter les mêmes errements du passé. Bon, pourtant, le CNRD dit que tout se fait avec l'accord de tout le monde. Non, je ne le crois pas. C'est vrai que, bon, j'ai entendu les propos du ministre de l'administration du territoire et également les propos d'Ousmane Gawal Diallo, le porte-parole du gouvernement. Je pense qu'ils vont dans le sens d'appeler les autres à venir les rejoindre dans ce qui est actuellement en train de se faire. Bon, c'est vrai qu'il y a des réticences de part et d'autre, mais il est évident que c'est un appel qui devrait être, disons, saisi au rebond par l'opposition, parce qu'en fait, l'UFDG, comme du reste l'UFR et le RPG, ont leur mot à dire dans ce processus de transition. Bon, maintenant, il appartient quand même au peuple guinéen,
de se déterminer. Et ce qui est important en cela, c'est que les conditions de retrouvailles sincères ne sont pas réunies malheureusement, parce qu'il faudrait d'abord s'accorder sur les bases essentielles de cette transition-là. On parle de faire une refonte du fichier électoral, et cela est accepté par tous les acteurs. Et c'est un processus qui demande quand même un peu de temps. Même si, c'est vrai, beaucoup avaient dit qu'avec juste 2 ans, 24 mois, ce serait suffisant pour faire un chronogramme, disons, acceptable par tous. Si les militaires ont accepté, enfin, ont défini qu'il leur faudrait 3 ans, parce qu'en réalité, quand le dialogue inclusif s'est tenu... Oui, c'est 39 mois. 39 mois, mais c'est parce qu'il y avait une fourchette entre 18 mois et 52 mois. Oui. Et le colonel Mamadi Doumbouya a dit qu'ils ont pris la proposition médiane, qui consistait donc à faire 39 mois. Je pense que, disons, 2 ou 3 mois de plus n'enlève rien à la pertinence quand même des choses qui ont été définies, même si, c'est vrai, les partis politiques, comme M. Rafiouso a eu à le dire, ont quand même beaucoup de griefs à exposer, mais je pense qu'ils devraient le faire dans un cadre consensuel, accepter de se mettre ensemble avec le CRRD pour voir ce qui est mieux pour la Guinée. Bien, merci beaucoup Karim, direction Conakry, pour retrouver M. So Rafiou. Vous êtes un homme politique, vous êtes sur le terrain, vous avez décidé de vous battre, de lutter pour la démocratie. Alors dites-nous comment les hommes politiques que vous êtes, pas seulement vous, mais tous les autres, M. Sédou Danin Diallo, M. Sidia Touré, etc., comment est-ce que vous êtes traité? Comment est-ce que vous vivez cette transition? Très bien. Et je voudrais bien vous éclairer certains points. Et par exemple, votre collègue tout à l'heure disait que les militaires ont créé Kassa Diallo. Non, en aucun cas, il n'y a pas. Depuis l'avènement des militaires au pouvoir, nous demandons un cadre de dialogue au sein duquel il y aura le CNRD, c'est-à-dire la junte militaire, et les forces vives de la nation. Vous n'êtes pas représenté dans le CNT, c'est-à-dire le Comité National de Transition, le Parlement? Ce qu'on peut vous dire aussi, le CNT nous a été imposé. La répartition au sein du CNT, on ne nous a pas consulté. Ils ont décidé, ils ont mis leurs hommes, ils se sont donné plus de place pour avoir, au cas où il y aurait vote ou quoi que ce soit. C'est ce qui s'est passé. Un bon matin, ils ont pris un décret disant l'opposition totalitaire aura 15 places, bon, le CNRD aura 10 places, et puis la société civile a été répartie en 10 structures, puisque ici, nous savons, en Guinée, la plupart des gens de la société civile, il suffit que le pouvoir leur donne un peu d'argent ou de quoi manger, ils iront dans ce sens. Donc, nous avons dénoncé cela, mais puisqu'on voulait que cette transition réussisse, nous avons dit, écoutez, puisqu'on doit avoir un cadre de dialogue avec le CNRD, acceptons que le CNT parte comme ça. Même la constitution de cette transition, la charte qui nous a été imposée. Donc, aujourd'hui, depuis l'avènement des militaires, nous demandons un cadre de dialogue qu'on n'en a pas. Ils ont créé un cadre de concertation au sein duquel c'est le CNRD qui décide de la date, c'est-à-dire qu'on se réunit une fois tous les mois ou tous les 3 mois. C'est eux qui décident des sujets à débattre. Et autres. Nous avons dit, nous autres, nous voulons un cadre de dialogue où nous venons égal à égal, où il y aura la communauté internationale, la CIDO, plus particulièrement en tant que superviseur, et les forces vives et le CNRD se retrouveront pour définir qu'est-ce qu'il faut faire pendant cette transition. Alors, qu'est-ce que vous attendez, M. So? Qu'attendez-vous de cette transition? Qu'est-ce que vous attendez de cette transition? Vous attendez quoi de façon précise? Qu'est-ce qui doit se passer? Quels sont les problèmes qui doivent être réglés pendant la transition? Nous voulons prendre part dans cette transition. Nous ne voulons pas qu'on nous impose quoi que ce soit. Ça, c'est la première chose. Le fichier électoral à réfléchir, à revoir. C'est nous voulons que ensemble, avec oui. Nous devons ensemble, avec le CNRD, définir quels sont les travaux à mener pour le retour à l'ordre constitutionnel. Ce n'est même pas la date ou la durée de la transition qui est un problème là-dedans. Quels sont les travaux à mener pour, et c'est par rapport à ces travaux, ces grands points, qu'on définira le chronogramme de la transition. Mais aujourd'hui, le colonel refuse carrément de parler avec nous, de discuter avec nous. À chaque fois qu'on nous a invités, c'est qu'on vient, il lise un communiqué où le colonel s'explique et puis c'est terminé, tout le monde rentre. Dans ce cas, nous avons dit qu'on n'est pas dans ça. La formule militaire. Exactement. Mais moi, nous, on leur a rappelé qu'ils n'ont pas pris ce pouvoir à travers les yeux.
et qu'il n'y a aucune légitimité actuellement. La seule légitimité se trouve autour d'une table, en celle d'un cadre de dialogue. Il faut mettre ce cadre de dialogue en place, que la CEDEAO soit là, que les forces vives et le CNRD soient là, qu'on discute à égal et à égal ensemble. On ne vient pas nous imposer des sujets à discuter. Vous imaginez qu'un cadre de concertation, et puis on nous dit de parler des produits ou des denrées alimentaires. Et nous n'allons pas partir à ce genre de cadre de dialogue. Nous sommes dans une transition. Nous voulons parler de ce qu'il faut faire pendant cette transition pour un retour à l'ordre constitutionnel. Merci Comment bien. Vous pouvez imaginer, en 8 mois, 9 mois, nous n'avons pas encore et aucune action qui va dans le sens de l'organisation future des élections. Ok, c'est bien compris, Monsieur So. Permettez-moi d'aller à Abidjan, retrouver assez à la paix. Alors, dites-nous, la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, joue une sorte de rôle d'arbitre. Est-ce que la CEDEAO a vraiment suffisamment de force pour jouer ce rôle-là? Oui, la CEDEAO a suffisamment de force parce que Conakry essaie de souffler le chaud et le froid, ménage un peu. Conakry ne dit pas non à la CEDEAO, même si Conakry manifeste une volonté d'autonomie et laisse entendre que c'est en interne que tout va se passer et que rien ne sera imposé de l'extérieur. Mais on voit là aussi que la classe politique compte beaucoup sur l'extérieur et sur la communauté internationale. La CEDEAO joue son rôle et elle a les moyens de réussir ce qu'elle fait. Le problème dont tout le monde semble profiter... Toujours les sanctions. Justement, la CEDEAO ne fait pas que sanctionner. Elle va, elle discute, elle fait des concertations, comme on le constate aujourd'hui avec le Burkina et la Guinée, ce qui crée une impatience. Les gens ont l'impression qu'il y a une tolérance et il y a une complicité où il y a un manque de rigueur à l'égard de la Guinée et du Burkina Faso, alors que ce n'est pas le cas, parce que pendant 18 mois, pratiquement, la CEDEAO a accompagné la transition au Mali, malgré des réserves, et c'est lorsque les engagements de la transition au Mali ne pouvaient pas être tenus et que la transition est revenue sur ses propres engagements que la CEDEAO a changé de stratégie et de vision à l'égard du Mali. Aujourd'hui, au Burkina Faso, le coup d'État a 4-5 mois. Le Mali n'a pas été sanctionné de la même manière qu'il est aujourd'hui après 4-5 mois de coup d'État. En Guinée, nous avons 8 mois. Il faut attendre, les discussions se poursuivent et le moment viendra où des mesures seront prises. D'ailleurs, ce qui se passe au Burkina et en Guinée montre bien que la première réaction de la CEDEAO n'a jamais été un embargo et les sanctions dures comme ce qui s'est passé avec le Mali. Pour arriver à cela au Mali, il a fallu 18 mois. Et l'attitude du Mali fait peut-être qu'on oublie que cela a pris 18 mois et qu'en Guinée, nous sommes à 8 mois et au Mali, au Burkina, nous sommes à 4-5 mois. Même si, ayant compris la leçon du Mali, Ouaga et Conakry s'entraîner, ruser ou gagner du temps sans entrer dans un cadre formel, comme a dit le leader politique, sans entrer dans un cadre formel pour arrêter une date de fin de transition et une date d'organisation des élections. Donc, Ouaga et Conakry rusent, tentent de gagner le temps pour ne pas s'enfermer dans un schéma comme Bamako l'a fait pour finir par subir les sanctions de la CEDEAO. Mais ils ne pourront pas ruser indéfiniment parce que moi, je crois qu'un délai avait été donné en fin avril. Ce délai est passé pour Conakry. La discussion se poursuit, mais je pense qu'à l'anniversaire de la transition, au plus tard dans 4 mois, le ton va changer. Mais la CEDEAO essaie d'en finir un peu avec Bamako pour ne pas avoir plusieurs fronts en même temps à combattre. Mais le temps de taper dur sur Conakry et sur Ouagadougou viendra parce que nous ne pourrons pas continuer à ruser indéfiniment et la CEDEAO pourra avoir l'appui de l'Union africaine et des Nations unies et de l'ensemble de la communauté internationale lorsqu'elle va passer à une autre étape. Parce que à cette allure-là, sans accord formel, on aura 1 an, 2 ans, 3 ans de transition et malgré ça, ils feront ces 3 ans sans régler le problème du fond.
Bien, merci beaucoup, Assia Lafé. Alors, la Guinée, la junte actuellement au pouvoir en Guinée risque de faire en sorte que ce pays se retrouve exclu, j'allais dire, du tout. Bon, c'est vrai que la Guinée ne peut pas se passer de, disons, d'avoir de bonnes relations avec l'extérieur, avec la communauté internationale. Mais vous savez, les relations entre la CDAO et la Guinée n'ont jamais été un long fleuve tranquille. On se rappelle qu'en 2009 déjà, la CDAO était très active dans le processus de négociation entre donc, la junte oui, jouer les arbitres. Et les forces vives. À l'époque, Ibn Chambaz était un peu envoyé pour essayer de voir avec le CNDD à l'époque comment organiser des élections dans un délai assez court. Mais on a vu ce qui est arrivé par la suite. Bon, récemment... Alors quelque part, ils sont nombreux quand même, les observateurs qui disent pourquoi la CDAO n'intervient pas avant, n'anticipe pas. Oui, mais en fait, pour ce cas-ci... Et on parle même de club de chefs d'État. Ouais. Oui, mais bon, je pense qu'il y a un contexte assez particulier. Il y a eu déjà la situation au Mali, mon confrère l'a rappelé tout à l'heure, et justement le cas également avec le Burkina Faso. Ce qui fait que, effectivement, la CDAO ne peut pas se mouvoir sur plusieurs fronts. Mais pour revenir à la Guinée, il y a eu une position quand même assez ambiguë de la CDAO quand le président Alpha Condé était en train de tripatouiller un peu la conscience pour s'aménager une voie royale vers le troisième mandat. À l'époque, les gens s'attendaient à ce que la CDAO fasse quelque chose. Déjà, il y a eu une fois une... Et pouvait-elle faire quelque chose? Il y avait une initiative quand même de la CDAO qui avait voulu dépêcher une délégation pour voir le professeur Alpha Condé, mais les autorités de l'époque s'y étaient opposées. Bon, maintenant que le coup d'État est arrivé, que le CNRD est au pouvoir, la CDAO a demandé effectivement aux autorités de la transition de pouvoir envoyer un envoyé spécial. Et on a parlé même de Chambaz qui devait revenir. Bon, mais le CNRD s'y est opposé pour plusieurs raisons. Maintenant, ce qu'il faudrait, je pense que la CDAO quand même a les moyens non pas d'imposer ses vues à la Guinée ou au Mali ou au Burkina, mais un peu de faire en sorte, avec souplesse, d'amener les différentes transitions à un peu plus de raison. Même si pour le Burkina Faso, c'est plus ou moins acté, mais pour la Guinée, cela va quand même dépendre un peu de la position des acteurs politiques dont j'ai parlé. Parce que des acteurs politiques comme Seydou Dalem Diallo, comme Sidya Touré, du LFR, comme Lansana Kouyaté, doivent être associés au débat qui est en train de se faire. D'ailleurs, mon ami Rafi Osso l'a rappelé fort justement. Il est vrai qu'ils doivent être associés à toutes les étapes des discussions par rapport un peu aux modalités même de la transition, mais il faudrait aussi qu'ils acceptent qu'il y a différentes étapes qui doivent être respectées. On a parlé de revoir le fichier électoral et je pense que ça, tous les acteurs sont d'accord là-dessus. Certains même ont évoqué la possibilité ou même, disons, l'obligation de faire un recensement de la population pour savoir véritablement ce qu'il en est. Et après, il y aura véritablement les étapes vers les élections législatives, vers en tout cas la mise en place de nouvelles institutions et tout ça. Certains disent que là, il n'appartient pas au CNRD de le faire, mais je pense qu'il ne faut pas brûler les étapes. Je rappelle encore les propos du colonel Mamadou Doumbouya qui disait qu'il ne fallait pas refaire les erreurs du passé. Je pense que tous les acteurs politiques doivent s'accorder, dans toutes les forces vives d'une manière générale, pour effectivement aller dans le sens d'un dialogue inclusif et dans un climat apaisé. Parce que les appels aux manifestations et autres ne vont certainement pas régler la donne. Bien. On va prendre la direction encore de Conakry, retrouver Rafi Osso. Dites-nous, on a beaucoup parlé de politique, hein, mais souvent quand on aborde la question de la Guinée, il y a les problèmes économiques. Il y a ces gros contrats que viennent signer les multinationales. Est-ce que cet aspect des choses peut expliquer les difficultés que vous avez en ce moment à faire en sorte que la transition se déroule dans les meilleures dispositions? Mais écoutez, non, je ne pense pas que cet aspect-là joue ou empêche un déroulement correct de la transition. Et je voudrais juste rappeler, parce que beaucoup ne comprennent pas c'est quoi le traitement général de la transition. À l'heure actuelle, nous n'en avons pas besoin. Et normalement, il y a eu un qui s'est passé il y a quelques années. Le prochain, c'est en 2024. Le recensement général de la population,
c'est un aspect économique. C'est de savoir où exactement il faut investir ou pas. Dans un recensement général de la population, on ne prend le nom de personne. Personne n'est identifié. On vient dans des familles pour savoir il y a combien d'hommes, combien de femmes, et ils ont quel âge et autres. Ça, c'est clair, c'est ça. Mais on a un fichier électoral qui nous a coûté plus de 5 millions d'euros et pas plus que 3 ans. C'est au fichier-là qu'on a dit où Alpha Condé a truffé quelques environ 100 000 personnes de plus ou quelque chose qu'il faut ressortir. On a nos partenaires techniques et financiers qui nous ont aidés à mettre ce fichier en place, c'est-à-dire l'Union européenne, les Nations unies et le plus de tant d'autres. Et on a des compétences dans ce sens. Nous pouvons revoir ce fichier-là, essayer de corriger ce fichier, de le nettoyer et aller vers des élections. Un recensement général de la population, ça prend plus près de 4 à 5 ans. Nous ne pouvons pas nous engager dans ce sens. Et comme je vous dis, je vous le répète, un recensement général de la population n'identifie pas une personne. C'est une opération de quelques semaines. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. D'ailleurs, en Côte d'Ivoire, et ça vient de se passer. C'est pas une opération de quelques semaines. Je vous dis, on vient pas, on lit Rafusso, quel âge, non. On vient, on lit, dans le point de Rafusso, il y a combien de personnes, combien de jeunes, combien de femmes, combien d'étrangers, ça identifie même les étrangers. Ça nous permet de projeter des investissements. C'est cela le recensement général de la population. Je suis d'accord avec votre collègue qui dit qu'il faudrait qu'on nous associe. C'est qu'on demande, c'est cela, qu'on s'assoie, qu'on lise. Bon. Ils parlent de recensement général de la population, c'est à eux de nous convaincre qu'il le faut, c'est à nous de leur convaincre que non, ce n'est pas un recensement général de la population, mais plutôt de revoir nos fichiers et que nos partenaires techniques et financiers nous aident dans ce sens. Et aussi, la récupération des biens de l'État, c'est quelque chose qu'on a appris, ils sont parfaitement d'accord, mais ça se fait hors la loi. Il n'y a aucun respect de la loi, vous avez vu, d'autres, on a cassé leur maison, on a récupéré leurs biens pendant qu'il y a un procès à la justice. Dans ce sens qui n'est pas terminé. C'est bien, on va revenir. On va revenir à ça, à la façon dont les. On va revenir à cela, à la façon dont les politiciens sont traités, mais il est difficile de parler de la Guinée sans aborder cette question économique que je vous posais, monsieur Sow. Assia Lafé, quelque part, des puissances seraient-elles tapies dans l'ombre, attendant de pousser les pions pour faire main basse sur toutes ces grandes richesses que compte la Guinée? Non, pas du tout. Ces problèmes des contrats, c'est un problème, sont des problèmes qui ont commencé depuis l'indépendance. Hein. Voilà, et dans des conditions que l'on sait. Et il fut difficile, après le nom de la Guinée, d'engager le développement. Et il a fallu signer des accords avec ceux qui étaient prêts à aider le pays. Donc, les contrats sont jugés comme léoniens, comme des contrats pas naturellement, pas correctement faits. Et la junte a dénoncé cela. Chaque fois, c'est dénoncé. Même lorsque le président Alpha Condé est venu, il a essayé de revoir à la hausse. Il y a eu des polémiques, les choses sont bien passées, ou du moins se sont améliorées, mais d'autres considèrent que ce n'est pas encore suffisamment le cas et qu'il y a toujours beaucoup de corruption en dessous. C'est parce que aussi des Guinéens sous-évaluent ou au détriment de l'État dans leurs propres intérêts que cette situation a lieu. Il faut espérer que les militaires, dont ça peut être plein des acquis, soient portés par un peu plus d'intégrité, d'honnêteté et de rigueur et qu'ils fassent augmenter, comme a dit le chef de la junte, les ressources de la Guinée par rapport aux multinationales, aux grands groupes qui viennent exploiter le sous-sol de Guinée. Cela dit, je voudrais profiter pour revenir peut-être sur un débat par rapport à la CEDEAO. Dans les crises qui se sont déroulées, il ne faut pas oublier que, pour ce que nous savons de l'extérieur, le référendum en Guinée à l'époque avait eu lieu en mars, en pleine période de corona, et l'opposition, qui était d'ailleurs assez vigilante à l'époque, qui savait que si la nouvelle constitution était acceptée, elle permettrait au président Alpha Condé d'être candidat, avait fait campagne pour que cela ne soit pas ainsi fait. Et la CEDEAO avait envoyé une mission et avait même fait une déclaration pour négocier un report de ce référendum à cette date-là. Le professeur Alpha Condé n'a pas écouté. Et après, le pays s'est apaisé, plus ou moins, et le processus a suivi son cours avec l'opposition, une partie qui a participé à l'élection.
Moi, je dis, il faut toujours, c'est ce qui se passe aujourd'hui, quand l'opposition parle, c'est parce qu'elle croit que les conditions doivent être réunies, peuvent être réunies, et que la solution, c'est de donner l'opportunité au peuple de choisir à travers des élections. Lorsque même des militaires reconnaissent qu'après 5 ans, après 10 ans de transition, on reviendra à des élections, on reviendra à la capacité pour le peuple de choisir ses dirigeants, je pense que lorsqu'on est d'accord avec ça, il ne faut pas ruser pour choisir des raccourcis avec le coup d'État pour dire qu'on va, à partir des coups d'État, revenir à la démocratie. Les coups d'État ne sont pas de bon chemin pour arriver à la démocratie. OK. Toujours clair et net, les explications des uns et des autres. Karim, c'est vrai qu'on peut dire tout de cette junte, mais on a le sentiment que la possibilité de manifester, de s'exprimer est toujours là et qu'il n'y a pas un fusil sur la tempe des hommes politiques. Oui, mais bon, vous savez, je pense que ce sont quand même des situations exceptionnelles qui nécessitent cela. On est dans une situation effectivement, bon, je ne dirais pas de non-droit, mais il y a quand même une junte qui est au pouvoir, un CNRD qui veut dérouler donc son agenda. La liberté de la presse, la liberté d'expression. C'est vrai, les gens, certains sont pleins, mais bon, je pense qu'il faut créer des passerelles de convergence en réalité. Parce que je disais tout à l'heure que personnellement, je n'approuvais pas tellement les appels aux manifestations, même si ce sont des droits acquis par les partis politiques. C'est vrai que les acteurs politiques ont le droit de manifester leur courroux éventuellement. Mais il faudrait le faire, je pense, dans un climat apaisé, en mettant en Comment avant... Comment ce climat peut-il être apaisé? je parlais de passerelles, de discussions, pour faire en sorte que... Parce que déjà, au niveau du CNRD... Tout à l'heure, Rafiou l'a dit, ils ne sont pas associés à un certain nombre de décisions. Et c'est cela qui est déplorable. Comment discuter quand on n'est pas associé à... Non, parfaitement. Parce qu'en fait, je pense que là où il y a eu problème, c'est quand, au début déjà, du dialogue inclusif auquel le CNRD avait appelé, des partis comme l'UFDG, le RPG et l'UFR n'avaient pas voulu, y participer pour des griefs qu'ils ont effectivement énoncé et qu'on peut comprendre également. Mais je me dis que les intérêts supérieurs de la Guinée doivent quand même aller au-delà de toutes ces petites contingences superficielles, même si, quand même à la décharge de ces partis politiques, on a vu que depuis quelques temps, leur droit à la manifestation, leur droit même, bon, disons, leur droit démocratique sont plus ou moins bafoués. Mais comme c'est une situation un peu exceptionnelle, il faut faire en sorte que avec le minimum de lucidité qui reste aux uns et aux autres, se parler. Parce que de toute façon, les gens seront obligés, même s'ils doivent aménager un temps pour le dialogue, ils sont obligés de se voir. Je veux parler donc du CNRD, des forces vives, avec quand même le CNT qui a été mis en place, pour voir ce qui est mieux pour la Guinée. Et ce qui est mieux pour la Guinée pour le moment, c'est déjà de pouvoir tous s'accorder sur l'essentiel. Déjà, M. Rafiuso l'a dit, ce n'est pas tant la durée de la transition qui pose problème. Dans tous les cas, la CEDEAO n'est pas d'accord. Oui, mais... Avec les 39 mois. Mais la CEDEAO avait donné l'échéance du 25 avril. Actuellement, on a fait pratiquement un mois de plus. Et le CNT, le Conseil national de transition qui a été mis en place actuellement, a fait ses 100 jours. Il n'y a pas beaucoup de développement. Mais, de l'autre côté, le CNRD a mis en place quand même un chronogramme que certains peuvent ne pas accepter, mais il faut que les gens s'accordent au moins sur l'essentiel, dire que, écoutez, vous avez parlé de 39 mois, mais nous pensons qu'en 2 ans et demi, on pourrait faire ça et avec des arguments à l'appui. Et dans ce cadre-là, une discussion peut se faire. Mais ce serait quand même malvenu, quand même, de mon point de vue, pour la CEDEAO, d'imposer quoi que ce soit en matière de sanctions. Parce qu'il n'y a pas longtemps, des membres de la société civile sont partis à Accra, voire au niveau de la CEDEAO, comment faire en sorte que ces sanctions ne soient pas prises, parce que ces sanctions vont d'abord, disons, faire beaucoup de mal à la population, comme on l'a vu au Mali. Ouais. Donc ce n'est pas, de mon point de vue, tellement utile, c'est d'être contre-productif. Mais sinon, il faut toujours aménager donc une voie pour le dialogue, et je pense qu'avec cela, on pourrait s'en sortir. Ok. Alors, vous le dites, mais bon, la question reste posée. Avant de vous remettre encore une fois la parole, Monsieur Sow,
Je voudrais vous faire écouter, en tout cas à vous tous qui nous suivez, à vous qui participez à cette émission, je voudrais vous faire écouter encore cette atmosphère qui a prévalu aussitôt, quelques minutes, quelques instants après le coup d'État du 5 septembre 2021. Vous l'avez vu, vous l'avez entendu, les populations sont sorties saluer et applaudir ce coup d'État. Alors, M. Sow, nous sommes pratiquement au terme de notre émission. Vous voyez d'où on est parti, c'était un espoir. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler de désillusion? Parfaitement. Et d'ailleurs, je vous rappelle, l'axe, les images que vous voyez, et ce quartier était barricadé par les forces de défense et de sécurité depuis plus de 6 mois. 6 mois. Et à chaque 100 mètres, vous avez un contingent de militaires. Et à chaque 100 mètres, sur toute place. Donc, imaginez, comprenez-le, et qu'on leur débarrasse de Alpha Condé, qui les imposait cette chose-là. Et c'était compréhensible. Et aujourd'hui, comme ils ont dit, comme vous disiez, c'est une désillusion totale. Quand je rappelle à M. Karim, votre collègue, que le CNRD n'a jamais créé un cadre de dialogue ici, c'est une erreur, c'est erroné. Le CNRD nous a appelés à chaque fois pour nous dire simplement ce qu'il voulait, sans nous donner l'occasion de nous exprimer. Le CNRD nous a écrit des courriers pour dire nous voulons quel genre de transition. C'est tout, ça s'arrête là. Mais ce cadre de dialogue dont votre collègue parle, M. Karim parle, c'est ce cadre de dialogue que nous réclamons depuis 9 mois presque. Et Colonel Doumbouya l'a dit, il a affirmé clairement à la télé nationale qu'il ne discute avec aucun leader politique, avec aucun parti politique. Mais pendant que eux, depuis qu'ils sont venus, ils ont créé 32 partis politiques qui sont avec eux. L'ensemble, je suis membre, le PLP est membre du G58. Il y a 58 partis politiques qui sont coalisés, qui ont créé le G58. Aujourd'hui, nous sommes plus de 78 partis politiques, dont le RPG, l'ancien parti, fait partie. Donc, c'est vous faire comprendre et où nous en sommes. Et je vous informe aussi que les forces vives de la nation ont été recréées, c'est-à-dire la société civile, les syndicats, les partis politiques. Nous avons créé cela parce que, il y a quelques jours, le colonel Doumbouya nous interdit de manifester. C'est un droit citoyen, c'est un droit universel. Nous ne pouvons accepter cela. Mais maintenant, s'il fait de n'importe quoi, comment nous allons nous exprimer? Nous n'avons pas d'autres voies de recours. Il fait prévaloir une situation d'exception. Mais la situation d'exception ne te prive pas de tes droits citoyens. Le droit à la vie, le droit à un nom, le droit à manifester. Ça, alors, on ne peut pas, une aucune situation. Alors, Monsieur Raffio Sow, dites-nous, vous dites que c'est la désillusion, mais le temps et les choses ne vont pas s'arrêter à cette désillusion. Comment faire pour faire en sorte que cette transition débouche sur des résultats positifs, j'allais dire? C'est exactement notre objectif. Et le G58, le RPG arc-en-ciel est allié, nous sommes retrouvés. Ça fait ces derniers temps 3 communiqués que nous faisons pour alerter le colonel, l'appeler, disons, à la raison, qu'on puisse s'asseoir ensemble, mettre ce cadre de dialogue et discuter de la transition. Mais si il continue à refuser cela, c'est ce qui nous amène à recréer les procédures, nous serons obligés de prouver au colonel que la légitimité ne se trouve pas de son côté, mais nous pouvons réclamer une bonne partie de la légitimité actuellement, puisque une bonne partie de la population est avec nous. Aujourd'hui, au sein du G58, si vous prenez pendant ces 10 dernières années les élections, vous avez 95% de l'électorat guinéen qui sont représentés. Donc, nous souhaitons, ce n'est pas notre objectif de manifester,
c'est notre objectif, c'est que cette transition réussisse. Nous ne voulons pas que le colonel Doumbouya échoue, mais nous serons obligés de passer par tous les manières pour qu'il soit à l'écoute, qu'on puisse s'asseoir, qu'on en discute, qu'on n'aime pas, pour qu'elle réussisse. Dans ce cas, même s'il faut aller à des manifestations, c'est le dernier recours qu'on a, on ne le souhaite pas. Mais je pense qu'il a quelques jours, encore une semaine, au-delà de cela, nous serons obligés d'appeler à des manifestations pour pacifier. C'est à eux d'encadrer les manifestations. C'est leur rôle. Il ne s'agit pas de venir gazer les gens, tuer les gens, tuer. S'ils les encadrent, ça se passera très bien. La communauté nationale et internationale saura que la majorité de la population est avec nous et qu'ils demanderont aussi au colonel Doumbouya d'accepter de discuter. Une parenthèse, la CEDEAO, c'est que nous les reprochons. C'est-à-dire, je ne suis pas d'accord qu'ils attendent à la dernière minute qu'il y ait des manifestations, qu'il y ait des morts pour venir. C'est le bon moment de dire à Doumbouya ou à Conakry, stopper, accepter de dialoguer. Il faut maintenir une sorte de pression. Silence. Voilà, s'ils ne font pas la pression maintenant, ça sera trop tard. Alors, c'est ce qu'ils ont fait au temps de Alpha Condé. Ils ont laissé qu'Alpha Condé a massacré plus de 300 personnes. Pour venir discuter avec nous, finalement, nous ne voulions plus discuter avec la CEDEAO. Pour nous, ils n'avaient plus aucune crédibilité. Si vous attendez qu'on arrive à la fatalité, mais pourquoi venir discuter avec nous pendant qu'on a juste des centaines de morts? C'est le bon moment, je pense. Ils doivent se rater. D'ailleurs, j'ai appris que dans les prochains jours, ils doivent se réunir. Je pense qu'ils prendront des décisions fortes pour que les autorités de Conakry comprennent qu'il faut dialoguer pour que cette transition puisse aller de l'avant. Elle n'a pas démarré encore. C'est extrêmement grave après 9 mois. Et ça, c'est inadmissible. Merci voilà beaucoup. Ce que nous demandons à la CEDEAO et à la communauté internationale. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Sorapiou. Vous intervenez à partir de Conakry. Nous sommes en train de boucler cette émission. Les derniers mots avec vous, Abdoulkarim Diarraté. Qu'est-ce qui va faire qu'on dira que cette transition a réussi? Bon, mais la réussite de la transition dépendra pour beaucoup... Tout n'est pas perdu. Du tout. En fait, je ne partage pas tellement le pessimisme de M. Rafioso, même s'il est vrai qu'il a des préoccupations. Et c'est vrai, c'est tout à fait normal. C'est un homme politique qui apprécie effectivement un contexte, mais je pense que la désillusion ne doit pas être de mise, parce qu'il y a toujours, en fait, ce génie du peuple guinéen qui peut toujours se relever après ces petits moments de dérèglement. Maintenant, ce qu'il faudrait, effectivement, accepter de discuter. C'est vrai qu'il dit qu'il n'a pas de voie possible pour cela, mais je pense qu'il y a des passerelles, il y a des possibilités. Demander peut-être à la CEDEAO, non pas d'imposer. La CEDEAO n'a pas à imposer une pression. J'ai entendu le porte-parole du gouvernement dire que la priorité était au toilettage institutionnel et législatif. Bon, même si c'est vrai que il a effectivement dit qu'il n'attendait pas de la CEDEAO, disons, un bras de fer quelconque. Mais il faudrait quand même, de la part du CNRD, comme de la part des forces vives, accepter véritablement dans un cadre, que ce soit avec la CEDEAO ou avec d'autres, éléments de ce genre, discuter pour trouver un compromis acceptable par tous. Et cela est possible. Et cela c'est est encore possible, de mon point, absolument. Ok, donc l'espoir existe. Assez à la fin, c'est vous qui avez le dernier mot de cette émission. Dites-nous, on est parti d'un espoir à une sorte de désillusion actuellement, mais comme le dit Karim Diarraté, l'espoir existe tout de même. Moi, la désillusion, c'est le 5 septembre, hein. Je ne pense pas que la désillusion, c'est aujourd'hui. Ça a déjà commencé depuis le 5 septembre 2021. Oui, c'est un coup d'État, c'est un espace, c'est un moment de désillusion, de désolation. Ça ne peut pas être une posture d'espoir. La preuve, la désillusion d'aujourd'hui, on pense qu'elle vient du néant. Elle était déjà là, contenue dans l'espoir. C'était un espoir, c'était la désolation qui a commencé. Donc, le frère Karim Diakaté peut... être optimiste, je vois que M. Solo, frère, est pessimiste. Moi, je dis depuis, lui, il est optimiste à ce stade. Il avait été dans l'optimisme. Il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire pour sauver les meubles. Ce qu'il y a à faire, c'est que la transition se ressaisisse, c'est que les militaires au pouvoir se ressaisissent et comprennent qu'ils n'ont aucune légitimité, ils n'ont aucun droit à gouverner la Guinée, avoir des armes. Aller prendre le pouvoir, ça ne confère pas une légitimité. Il faut qu'ils comprennent ça vite, créer les conditions pour aller à des élections ouvertes et transparentes. Et il faut leur dire avec force
Et comme nous, on n'est pas en Guinée, on ne les subit pas, nous, on peut le dire. Ils n'ont aucune légitimité pour gouverner la Guinée. Leur seule force, c'est les armes. Il faut qu'ils arrêtent de prendre des images de gens sautant, dansant, pour dire que ça fonde la légitimité. Ça ne fonde rien. Ça ne fonde rien et ça ne peut pas nous émouvoir. C'est des imposteurs qui sont au pouvoir, ils n'ont aucune légitimité. Il faut le leur dire très fort et très vite pour qu'ils organisent rapidement des élections et permettent à la Guinée de retrouver sa marche glorieuse sur les traces des pères fondateurs de Sékou Touré. Quel que soit ce qu'on peut lui reprocher, la Guinée a eu des fils dignes. Et nous sommes fiers de cette Guinée. Nous voulons retrouver cette Guinée avec ses leaders qui aillent à des élections et non des poutistes au pouvoir. Il faut le dire haut et fort, et moi je le dis pour la Guinée, pour le Burkina Faso et pour le Mali. Voilà, ces combats souverainistes avec des militaires qui n'ont aucune légitimité, il faut y mettre fin et arrêter de parler au nom des peuples avec les armes. On ne peut pas parler au nom des peuples en se servant des armes pour soumettre le peuple. Vous voyez ce qui se passe en Guinée avec un leader comme Sélou Ndalaye Diallo, avec des leaders comme Sidya Touré, avec des leaders comme Lassana Kouyaté, que les militaires veulent soumettre. Est-ce que c'est ça là, la légitimité? Et c'est ça qu'on veut défendre? Il faut créer les conditions pour aller à des élections. On ne peut pas accepter ce qui se passe avec les militants en Afrique. Je vous remercie. Merci beaucoup, Assia Lafé. Il faut dire que vous interveniez à partir d'Abidjan. Vous êtes journaliste, vous êtes le directeur général du quotidien L'Intelligent d'Abidjan. Nous avions également en ligne M. Rafiou Sow, qui est un homme politique, il est le président du Parti du Renouveau et du Progrès. Il intervenait à partir de Conakry. Et puis sur notre plateau ici, le plateau central à partir de Dakar, eh bien, il y avait notre confrère Abdou Karim Diarraté, qui est membre de l'UJPLA, il faut le signaler chaque fois, qui nous permet donc de vous avoir. C'est l'Union des journalistes de la presse libre africaine. Et il faut dire que, bon, les positions sont là, elles sont claires, et il faut de tout cela pour faire comprendre les choses, pour faire comprendre ce qui se passe en Guinée à notre public. Merci beaucoup à vous d'être resté en notre compagnie. Merci beaucoup à vous qui avez pris part à ce panel. Nous nous retrouverons pour un autre numéro de Tribune du mardi. Au revoir et à bientôt.